La raison de notre visite aujourd'hui, c'est travailler avec vous dans le domaine des sciences. C'est parler science aujourd'hui avec vous. On ne va pas parler l'anglais. Je sais que vous avez une Américaine qui travaille avec vous pour vous aider à améliorer votre anglais. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler science. Moi, je m'appelle Charles Akakpo. Je vais laisser la parole à mon collègue Dodi. Et il va introduire un peu ce que nous allons faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président du comité des parents d'élèves. Chers amis, bonjour. Ça va bien? Ça va. Très bien. Alors, il faut que vous soyez très contents. Pourquoi être content? Parce que pour la première fois aujourd'hui, déjà, on va voir l'eau de chaud. Vous avez déjà une fois vu ça? L'eau de chaud. Vous avez une fois vu ça? Quand on dit l'eau de chaud se trouve là, sixième, condition du carbone. Mesure de volume, on prend une éprouvette, on prend une seringue, on prend des déchets. Vous allez voir ça tout de suite. Les quatrièmes, les troisièmes. Quoi? Où y est? Vous êtes Archimède? Où y est? On prend un dynamomètre, on accroche un bord, on met dans un liquide, on vient dans un gaz là, et puis on dit qu'il y a, vous voyez, valeur. Comment on appelle ça? La valeur qu'affiche le dynamomètre à l'air. Le poids apparent, ou bien? Et après, on fait la différence. On dit ça fait pousser d'Archimède. Poulie mobile, poulie à deux gorges, système de poulie. Vous allez voir ça. Les solutions, l'eau de chaud, permanganate, rigueur de Féline, quoi. Vous allez voir ça. Après, on parle des cellules. Observation microscope. Vous allez observer. Vous voyez, tout ça vous devez être fier. Et puis c'est pas seulement ça. Les applications qu'on peut faire avec tout ça là, vous allez les découvrir. Et troisième, vous venez de terminer les cours dessus l'électrolyse de l'eau. Vous bien. Et on a dit qu'au cours de l'électrolyse, il y a deux gaz, le dihydrogène et le dioxygène. Bien. L'oxygène entretient la combustion et le dihydrogène, c'est un gaz qui peut vous détruire. Bien, je vous parle. Il se sert de ce dihydrogène pour faire fonctionner le groupe électrogène. Et donc, avec son groupe électrogène, on va plus mettre l'essence de la vie. On va mettre seulement du propulsion dans le groupe électrogène. Ça va commencer par fonctionner. Les gaz réalisent une chaîne. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on identifie ces deux gaz pour savoir qui est l'hydrogène, qui est oxygène. Autre chose, quand vous regardez au cours de la réaction, vous avez le volume d'hydrogène est deux fois plus grand que le volume d'oxygène. Le piano est un instrument à cordes à la basse en bois. Dans les pianos d'origine, les grands pianos, il y a une corde avec un marteau. Donc le marteau, lorsque tu appuies, le marteau frappe sur une autre corde et ça produit un son. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technique, les pianos sont devenus plus électronique. Il y a la plupart sont des pianos électroniques, mais quand même ce sont des instruments qu'on place dans les instruments à cordes. Donc ici il y a le piano, donc on peut remettre dans les instruments à cordes. Maintenant,
L'instrument ici qui est un instrument d'ici, c'est celui-là. Pourquoi je dis ça? Qui peut me donner pourquoi je dis ça? Ça vous ressemble à quoi? Cet instrument, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un piano. On appelle cette bouteille-là une pincette. Pincette. Alors, quel est son rôle? Dans le mot bicette, là, on attend quoi? Et si on dit qu'on va faire pipi? Vous voyez, donc si on appuie là, ça fait pipi comme ça. Donc, son rôle, lorsqu'on vous demande par exemple de mesurer 450 ml, vous pouvez prendre ce récipient, vous allez verser de l'eau dedans, il n'y a pas de problème. Mais au moment où on devait compléter, pour que ça soit exactement sur 450 ml, et puis vous avez besoin juste de quelques gouttes, c'est à ce moment que vous allez utiliser ça. Vous avez besoin de quelques gouttes pour compléter, pour que ça soit exactement 450 ml. C'est seulement que vous allez appuyer sur ça. Il suffit d'appuyer sur ça. Et puis, ça va commencer par glisser. C'est bon? Ok. Donc, 450 ml. Ça doit s'arrêter sur la gradation 450 ml. Donc, vas-y, on va voir. Il chauffe ici et il dépose petit à petit pour faire l'objet qu'on veut. Ok? Donc, on prend le fichier, on met ça sur la carte mémoire, on lui donne. Et il chauffe et il se met à dessiner et à fabriquer ça. Donc, en attendant qu'il se lance, ah, je pense qu'il va même bloquer sur ça. On va voir. Quand vous prenez l'objet que vous voulez, là. Vous dessinez ça. Vous lui donnez. Vous voyez, il va dessiner ça. Donc, il prend ça, lui, c'est une machine. Donc, il comprend qu'il va dessiner un rectangle, il va faire ceci, il va faire ceci. Après, il va remplir. Quand il finit de remplir ça, il va monter, ajouter encore une couche. Dans tout ça, il ne faut pas oublier, comme c'est du plastique, il chauffe. Il chauffe, ils font le plastique devient liquide et il dépose ça. C'est petit. Donc c'est ça l'impression 3D. Et tout ça là, ça a été imprimé avec. Ça c'est quelque chose qu'on imprimait, ça s'est arrêté en chemin. Vous voyez. Donc même ça là ici, là, c'est imprimé en 3D. C'est la machine même qui a imprimé, on a mis ça dessus. Donc, vous voyez le robot, on va faire fonctionner le robot aussi, vous allez voir. C'est un robot téléguidé, vous pouvez faire marcher ça. Donc, on va commencer avec le bras mécanique, avec lequel on va s'amuser un peu. Vous voyez, tous ces objets ont été, tout ce qu'il y a dans la boîte là, vous pouvez prendre, non, bon, sauf ça, ça c'est du bois. Mais on a
on a fait, voilà, vous voyez ça là par exemple, ce que, le truc en boîte, voilà, ça là par exemple, ça, ça a été imprimé, ça c'est fait en bois. Donc si on veut, on peut refaire ça nous-mêmes. Oui. Celui-là, c'est imprimé avec, vous voyez, vous reconnaissez la couleur, oui. Voilà. Donc, c'est ça. Donc vous avez un objet que vous voulez reproduire. Vous pouvez reproduire ça avec l'imprimante 3D. C'est qui le chef qui a fait le maître d'ouvrage? Vous savez ce qu'on appelle maître d'ouvrage? C'est quoi le maître d'ouvrage? Attends, c'est quoi le maître d'ouvrage? Et le maître d'œuvre. Quand je dis maître d'ouvrage, c'est qui? Celui qui vous commande de lui construire une maison. Donc le maître d'ouvrage, c'est qui? C'est moi. Vous êtes demandé de me faire quelque chose. Et le maître d'œuvre, c'est qui? C'est celui qui va construire la maison. Donc c'est vous. Vous choisissez le maître d'œuvre. Maintenant, puisque vous m'avez dit que vous n'utilisez pas l'ordinateur, j'imagine que c'est peut-être parce que vous n'en avez pas. Oui. Maintenant, après ça, là, est-ce que si vous voyez un ordinateur, vous serez content de l'utiliser ou pas? Oui. Hein? Et donc, vous allez même mieux travailler pour pouvoir avoir fini les études, avoir les moyens de pouvoir en acheter et pourquoi pas permettre à la communauté d'Antioch d'avoir des ordinateurs dans l'école, ou bien? Oui. Ok. Parce que nous, on est là pour ça. On ne vient pas seulement vous montrer ça, vous allez dire, ah, c'est joli, c'est magnifique. Et on rentre et puis c'est fini. Non. L'idée, c'est que après, que vous puissiez apporter quelque chose. Ça permet de sélectionner les personnages. D'accord? Et ce personnage-là, on peut le changer. On n'a pas forcément besoin du chat, là. On peut prendre une petite fille, on peut prendre un garçon, d'accord? On peut prendre un ballon, on peut prendre quel que soit. Tout à l'heure, je vais vous le montrer, d'accord? Maintenant, il y a une troisième fenêtre qui va vers la droite, au milieu, mais elle est au milieu. Vous avez vu? Ouais. Elle est au milieu, non? D'accord. Cette fenêtre-là, on l'appelle la fenêtre des instructions. La fenêtre d'instruction. Ok? Donc vous allez voir tout en bas, il y a ce qu'on appelle des blocs. C'est-à-dire, un bloc, c'est peut-être ça. Vous avez vu ça là? Comme ça, c'est un bloc. Donc le pointeur, sur, quand vous la mettez sur l'apparence, vous avez, il s'allume comme ça. Donc appuie dessus. Voilà, vous avez vu? Apparence est venue, c'est venu en violet. D'accord? Vous avez cliqué? Non, descendez sur apparence. Voilà, clique. Voilà, vous avez vu, c'est venu en violet. Et là-bas, est-ce que c'est venu? Apparence est juste en bas. Voilà, appuie maintenant. Voilà, vous avez vu, c'est venu en violet. Donc ça veut dire que nous avons tous des blocs, ok? Donc il y a le bloc mouvement, il y a le bloc apparence. Il y a le bloc réel. Il y a quel type de... Il y a... Maintenant, les noirs, ils sont...
Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la taille? On a commencé à la taille. Et en fait, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a deux. Il y a deux ici. Il y a trois. Il y a deux. Il y a trois. Il y a deux. Il y a trois. Il y a deux. Il y a trois. Donc voilà, c'est ça. Le pierre, en quelque sorte. Maintenant, selon les lots que nous avons vus là-bas, tout est mis face à l'acido. Donc, si on veut jouer ça ici, si tu prends bien, tu peux jouer. Ouais, parce que vous commencez, tu dois savoir où se trouve le Do sur le piano. Donc, Do est la première touche qui commence par la série des touches de voix.
principalement vert. Ça, c'est du joro. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller ensemble. Quand je prends par exemple ça, qu'est-ce que je remarque? La couleur qui domine, c'est le bleu, non? Voilà. Ça veut dire que, quelque part, ceux-là, ils doivent avoir forcément un lien. Peut-être cette partie-là, forcément un lien. Eux, c'est celui-là qui a Avec Internet, on a cherché ça. Donc, si on était sur Internet à chaque fois, c'est seulement Facebook. On n'allait pas pouvoir faire tout ça là. Vous comprenez, non? Et si quand on nous faisait les cours là, que ce soit anglais, français, maths, physique, si on disait que non, il y a ces gens là, ils nous embêtent seulement, c'est inutile. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire ça. Vous comprenez? Parce que ça là, il faut que ce soit solide. Parce que derrière ici, on a dû souder des choses pour que ça puisse tenir. Quand la voiture va rouler, quand ça va tomber dans les trous. Tout ça. On a dû faire les calculs là. Et tout ça, c'est la physique, les mathématiques. Ce matin, on a les invités, on a la visite de Moma, de Moulab, qui sont envoyés par l'ambassade des États-Unis et qui sont venus pour nous informer sur la science et certaines choses. Nous, les élèves, nous sommes bien fiers parce que ce matin, on a vu des choses qu'on n'a jamais vues. Il y a des choses qu'on nous fait qu'on n'a jamais vues et nous sommes très, très contents de cette visite. On remercie beaucoup les envoyés de l'ambassade des États-Unis pour nous avoir ouvert les choses sur la science. Tout ce qu'on faisait en classe, aujourd'hui on a vu toute l'expérience et c'est vrai que ce qu'on nous fait va nous rendre demain quelque chose de bonheur. Je suis très fière aujourd'hui parce que nous avons eu les visiteurs qui ont envoyé par l'ambassadeur de l'États-Unis d'Amérique, qui les a envoyés de venir nous informer en technologie, en science et comment jouer les jeux et surtout en physique. Je suis très fière aujourd'hui parce que quand nos professeurs nous faisaient cours, on ne savait pas qu'il y a les applications surtout en électrolyse de l'eau. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'on peut allumer une coupe sans le carburant et le fumier ne peut pas sortir. Sa base de la science que tout ceci a découvert. Et aussi, je suis très fière de ces gens qui sont venus gentiment nous accueillir et prendre le courage de nous montrer tout. Et ce qui est très nécessaire est que depuis la création du CG, on n'a jamais eu des étrangers comme cela. Et le village est très heureux pour aujourd'hui. Dans ce village, il n'y a jamais des gens qui peut manipuler l'ordinateur et montrer les gens. Et nous sommes très fiers qu'un jour, à base de cette technique, nous pouvons fabriquer un bateau, l'avion et les ballons et servir notre pays de Togo. Et à base de ça aussi, nous pouvons fabriquer le courant électrique à notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le 12, nous avions reçu la visite de Moulab, qui est un véhicule équipé de matériel scientifique et qui travaille avec les élèves dans le domaine de la science.
Et c'est pour moi un nouveau jour. Sinon, j'allais dire un paradis parce que il est très rare que nous concrétisions nos cours scientifiques. C'est pour la première fois que les enfants ont touché du doigt la réalité scientifique à Dantcho. Surtout que le milieu n'a pas d'électricité. Et avec tout ce qui s'est passé, vraiment, tous les ateliers, ateliers de labo, ateliers de jeux, ateliers scientifiques, ateliers d'informatique. Et j'ai vu pour la première fois, moi, en fait, je ne vais pas cacher cette émotion, une drone en mouvement dans le ciel, dans notre CG. Et ça a attiré vraiment l'affluence. Même les villageois sont venus observer cet équipement de la technologie moderne. Et dans les classes, vraiment, les élèves, c'est une joie, c'est une fête à Dantcho. Une fête, une véritable fête. Des ateliers. Et j'ai vu une femme qui disait à son enfant que c'est pour ça qu'on vous demande de fréquenter. Et c'était mon rêve, c'était mon rêve. Mon rêve était d'avoir un établissement où les enfants touchent du doigt la réalité scientifique. Et aujourd'hui, le jour est arrivé. Et nous ne savons comment remercier l'ambassade des États-Unis par rapport à ce projet qu'ils ont monté. Ils ont monté pour les élèves. Et nous ferons tout pour mettre en application, mettre en œuvre tout ce que les enfants ont appris dans ces ateliers. Et vraiment, c'est la joie. Mes professeurs et moi, nous sommes ravis, très ravis. Nous allons reprendre l'information même au niveau du village et pour que les autres CG s'inspirent de notre exemple. Ça devient un CG pilote dans le domaine de la science, équipé par l'ambassade des États-Unis. C'est notre souhait. Notre souhait le plus absolu pour que vraiment la science triomphe. La science, vraiment la science, c'est ça qui est d'actualité aujourd'hui. C'est ça. Et j'ai vu aussi là, les enfants ont chanté, ils ont appris à faire la musique, tout ça là. C'est, les mots me manquent, c'est de l'émotion pour moi. Bonjour, je m'appelle Emily, je suis la volontaire pour Corps de la Paix, ici à Dantcho, Central. Et aujourd'hui, il y a le MoLab avec nous. Et il y a des activités de science pour les élèves à propos de chimie et de la musique. Et aussi, il y a des autres choses comme les puzzles et les drones comme ça pour les élèves à faire et apprendre. Oui, c'est très bon pour les élèves parce qu'il y a les opportunités pour faire aujourd'hui très spécial. Et c'est bon pour eux pour voir et apprendre parce que c'est une chose pour lire dans les livres et pour écouter et apprendre comme chaque jour dans les classes, mais c'est une autre chose pour apprendre par faire et par voir les expériences. C'est très bon pour eux et je suis très contente que le MoLab est ici aujourd'hui.